Bonjour les amis, je suis dans le sud de Tenerife, à El Medano, où je fais quelques vidéos, notamment pour l'immobilier. Et je suis équipé bien sûr de mon iPhone, donc iPhone 12 Pro Max. Donc je l'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps et je suis vraiment enchanté. Bon, j'avais vu certains tests, certains reportages donc, qui indiquaient qu'il était lourd. Pour moi, il n'y a aucun problème, c'est vraiment déjà beaucoup plus pratique qu'un appareil photo avec lequel on fait des vidéos. Mais on a une qualité vraiment extraordinaire avec ce iPhone 12 Pro Max et la stabilisation est super. Donc on a une très très bonne image et donc plus besoin de post-traitement pour la stabilisation. Je vais vous montrer ici. Donc je vais parcourir El Medano ici et vous verrez, donc j'ai simplement détaché une partie de mon trépied et on va voir donc dans les rues de El Medano la stabilisation qui est vraiment très très bonne et une qualité d'image superbe aussi puisqu'on a trois lentilles donc au dos. Là je suis face donc avec la caméra de face, mais avec les trois autres lentilles derrière, c'est super. Alors, le gros avantage, bien sûr, de faire des vidéos, j'avais acheté un bon appareil photo pour faire des vidéos, mais quelle différence d'avoir un smartphone sur soi, pouvoir le sortir en quelques secondes et entamer ainsi des vidéos. C'est léger. Bien sûr, bon, ça coûte un certain prix, mais vous avez quand même un appareil multifonction avec un smartphone comme ça. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Alors pourquoi je suis passé du Samsung à l'iPhone? C'est mon premier iPhone parce que on avait une très bonne qualité avec les vidéos Samsung, mais maintenant je pense que Apple a rejoint Samsung, voire dépassé Samsung pour la qualité vidéo. C'est en tout cas l'avis de certains experts. L'iPhone 12 Pro Max, il est difficile parfois de faire la différence avec la qualité des vidéos pour des appareils qui valent plusieurs milliers d'euros. Bon, ici j'ai investi 1 200 € pour ce iPhone 12 Pro Max, mais je suis vraiment pas déçu. Je change pas de smartphone tous les ans. Donc mon Samsung, j'ai d'abord fait beaucoup de vidéos avec mon Samsung J5, j'étais très content de mon J5, et puis pendant plusieurs années avec mon S7, si je ne me trompe pas, on est maintenant chez Samsung à S21, donc j'ai continué à travailler avec le S7, j'étais très content, mais j'en avais un petit peu marre d'avoir des difficultés à transférer les vidéos de mon Samsung sur mon Mac, donc pour le traitement traiter les photos dans iMovie. Donc c'était quand même une galère pour envoyer mes vidéos, alors que maintenant avec l'iPhone tout est automatique, c'est super. Donc je suis hyper content de cet investissement et je pense que je vais continuer à utiliser mon iPhone, peut-être de temps en temps mon appareil photo pour certaines vidéos, vraiment je vous recommande l'iPhone 12 Pro Max, c'est vraiment un très très bon appareil et on a une qualité vidéo super. Donc j'ai fait sur ma chaîne de bourse, j'ai déjà plus de 700 vidéos. Donc j'ai ma chaîne marketing, j'ai ma chaîne immobilier. Donc toutes mes vidéos, je les fais avec un smartphone et maintenant avec mon iPhone. Et c'est vraiment super pratique de travailler avec ça. Donc j'utilise toujours un micro-cravate parce que c'est quand même plus agréable d'éviter le bruit provoqué par le vent. Et quand on est dans un endroit comme El Medano, où il y a beaucoup de vent en général, ben bien sûr que ça aide, c'est plus agréable. Aujourd'hui, on a particulièrement peu de vent ici à El Medano, mais quand même, ça aide. Par prudence, j'utilise toujours un appareil, donc un micro-cravate avec donc un anti-vent, vous voyez. L'anti-vent qui est vraiment indispensable lorsqu'on fait des vidéos en extérieur, parce que si vous commencez donc à faire des vidéos, faites-le en extérieur, c'est souvent plus sympa, mais il faut absolument que la qualité du son soit bonne.
Donc, je vais aller marcher ici à El Medano et vous allez voir la qualité qu'on arrive à obtenir. Donc voilà, ça c'est donc la petite plage ici. Vous voyez, on a l'arrêt du bus ici. Petite plage avec petit restaurant. Et là, on rentre dans le vieux Médano. Il y a encore quelques personnes qui portent le masque ici, mais de moins en moins. Donc c'est plus une obligation ici à Tenerife, sauf dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Dans les magasins, oui, c'est encore obligatoire, mais sinon en extérieur, ils conseillent surtout là où il y a beaucoup de gens, mais sinon il n'y a plus aucune obligation. Donc vous voyez ici quelques petites boutiques très sympathiques. Les touristes commencent à arriver. On est le 22 juillet 2021. Vous voyez les petites boutiques de mode, de vêtements. Ici, un très bon restaurant. Ils ont mis des tables à l'extérieur. Vous voyez, avec du poisson frais. Voilà, buenos días. Bien. Si, mirando, grabando, Grabando, para qué bien. traer Ah, está bien. gente. Muy bien. Vendremos con mi familia Vale, unos días. hoy no, No, hoy no. mañana. Tengo que esperar a mi hija le gusta mucho el Medano y Ah, vamos a. vale, porque estamos esperando, entonces Sí. no te preocupes. Vale. Gracias. Buen A ti, día. guapo. Ahora. Les gens sont très accueillants ici, très sympathiques. Donc on mange dans les restaurants à un très bon prix. Donc vous voyez aujourd'hui, il n'y a pas tellement de vent. Alors c'est surtout les jeunes là, qui utilisent les planches pour profiter un petit peu des vagues. On continue ici à El Medano. Ici, une crêperie, donc la Bohème. Ce sont des Français qui ont créé ça il y a déjà quelques années. Je ne sais pas si c'est toujours eux qui sont à la tête de ça. Il y a quelques endroits ici à Tenerife où ils ont ouvert ce restaurant, donc cette crêperie. Ici, un autre restaurant. Ici, on propose des churros aussi, très typiques ici. Ce sont comme des beignets, donc c'est une spécialité espagnole, je crois. En tout cas, à Tenerife, j'ai toujours connu ça. Et on arrive ici à la plage de El Medano, donc il y a l'hôtel Medano ici. Et la plage où ils ont quand même limité le nombre de personnes, vous voyez les barrières. Avec quelques restaurants
donc devant la plage. Il y a du monde aujourd'hui. L'avantage de filmer avec cet iPhone 12 Pro Max, c'est qu'on peut facilement changer d'objectif tout en continuant à filmer également. Donc il y a vraiment une ambiance super ici à El Médano. J'adore quand il n'y a pas trop de vent. En général, il y a toujours du monde ici à El Médano. Les Canariens viennent tout le temps ici. Ils adorent aller à la plage. Ici, il y a une grande place juste en face de la plage. Vous voyez, 28 degrés, 27-28 degrés ici, à El Médano. Donc à 17h40. On voit bien l'hôtel El Médano, un hôtel très ancien, vraiment au bord de la mer. Les gens toujours très souriants, ici très aimables. Il y a quand même du monde aux terrasses. Difficile parfois de faire la distinction entre les résidents, les Canariens, les touristes. Bon, moi j'ai une tête de touriste, mais je suis résident quand même depuis 26 ans à Tenerife. Alors souvent on me prend pour un Anglais. Beaucoup de jeunes qui viennent ici sur les plages aussi, mais il y a de tous les âges, hein. Les personnes âgées aiment bien aussi aller se baigner. Alors aujourd'hui, on ne voit pas de kitesurf, il n'y a pas assez de vent pour ça.
Donc ce sont d'autres jeux de plage. Vous avez des immeubles juste devant la plage. Si vous avez un endroit sympathique aussi pour venir s'asseoir. Regardez la mer, donc vous avez la montagne rouge là derrière. J'étais au sommet il y a quelques années, donc c'est tout à fait faisable. Il y a des chemins qui mènent là jusqu'au sommet. Pour le moment, c'est marée basse. Vous avez des beaux appartements juste devant la mer. Vous pouvez venir prendre un verre, prendre un repas là juste devant la mer aussi. Là, il n'y a aucun doute, on est à El Medano. Donc si vous aimez la mer, eh bien, je pense que vous trouverez ici cet endroit très sympathique, encore naturel. Vous pouvez venir vous promener, venir prendre le soleil, vous baigner. Donc il y a des douches. Vous pouvez même vous changer ici, il y a des vestiaires. Ici, il y a encore quelques boutiques. Oui, il y a des appartements vraiment pour ceux qui aiment venir en vacances faire du surf ici.
Il y a tout ce qu'on veut ici. Vous avez des écoles de surf, de kitesurf, de windsurf. Plage surveillée également. C'est important pour la sécurité de tous. Vous voyez, c'est déjà une belle grande plage. Donc que vous aimiez le vent ou pas, ben, vous trouverez donc ce que vous aimez ici à Tenerife, à cette plage de Medano. Il y a des jours où il y a moins de vent, des jours où il y a beaucoup de vent. Donc vous pouvez adapter vos loisirs en fonction de ça. Et vous avez une ambiance, des restaurants vraiment super ici à El Medano. Je pense que vous trouverez vraiment un endroit très sympathique si vous venez à Tenerife. Vous n'êtes pas dans le centre de Las Américas avec beaucoup d'hôtels. Non, ici c'est encore très naturel. Vous avez des maisons canariennes très anciennes, des bons restaurants tenus par des Canariens, donc c'est vraiment très sympa aussi. Vous avez des petites criques ici. Donc quand la mer se retire, vous voyez la mer qui a rongé le sable. Ah, là c'était des néerlandophones. Donc soit des Hollandais, soit des Flamands de Belgique qu'on vient de croiser. C'est bon signe, il y a des touristes. Les touristes sont de retour. Là, des Anglais, c'est bien. On est content ici pour le business à Tenerife. Vous avez des appartements modernes ici, vous voyez. En général, loués par des personnes qui aiment bien faire du kitesurf, du windsurf. Là, on voit bien la jeune femme qui est équipée là pour faire pour aller à l'eau. Ici, vous avez donc, vous pouvez louer tout l'équipement qu'il faut. Vous voyez, les gens sont de bonne humeur. Hein. C'est les vacances, il y a du soleil. Alors ici, il y a encore un hôtel de l'autre côté de la plage. Là, apparemment, on dirait qu'ils donnent
soit ils donnent des cours, soit ils vont pratiquer du surf. Marée basse, la plage est grande ici, les vagues sont pas trop fortes, donc idéal pour les débutants. On va repartir vers le centre d'Almedano. Température super agréable en ce moment. Quand il n'y a pas de vent, moi j'adore Almedano. J'ai un très bel appartement à vendre ici pour le moment. Deux chambres à 240 000 euros dans cette région-ci. C'est vraiment une très bonne affaire. Un appartement parfaitement en parfait état, rénové, moderne. Donc si vous cherchez une opportunité de ce type, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous voyez juste devant la plage, il y a des petits appartements à louer comme cela. Voilà, il est marqué for rent. Si vous voulez faire du windsurf, du kitesurf, ou simplement comme aujourd'hui, du surf sur les petites vagues qu'on a ici à Tenerife, eh bien. À tout moment, il y a quelque chose à faire ici à Almedano. Alors une chose que moi je trouve super sympa ici à Tenerife, c'est que vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Pas besoin d'être avec des vêtements de la dernière mode. Personne ne va vous juger sur votre manière de vous habiller. Parfois même c'est assez cocasse de voir comment certaines personnes s'habillent. Mais il n'y a absolument pas de jugement à ce niveau-là. Donc ici à Tenerife déjà qu'on peut s'habiller toute l'année avec les mêmes vêtements. Pas besoin de changer de vêtements en hiver, et on a une température tellement fantastique ici. En hiver, vous mettez un petit pull sur les épaules le soir quand vous vous promenez, surtout ici dans le sud. Un léger gilet est suffisant.
Mais sinon, personne ne va vous juger, on va pas vous regarder de travers. Si vous avez un vieux t-shirt, un vieux pantalon à trous, il n'y a absolument aucun problème ici. Donc non seulement on n'a pas de coût de chauffage ici à Tenerife, mais en plus, au niveau vêtements, ben, ça coûte pas cher. Après, bien sûr, si pour le plaisir, vous voulez acheter des jolis vêtements, ben, vous pouvez le faire aussi, hein. On ne vous jugera pas là-dessus non plus. Les touristes sont très bienvenus ici, donc si vous avez des beaux vêtements, ben, vous pouvez les mettre ici à Tenerife. Il n'y a aucun problème non plus. Vous voyez, pour profiter des plages ici, plage un peu sauvage ici à El Medano, c'est l'endroit idéal. Avec la montagne rouge dans le fond. Ça vous permettra aussi de rencontrer des gens parce que les contacts sont très faciles ici, les gens sont très sympathiques. Vous pouvez acheter des choses pas très chères ici. Boire une bière, manger un tapas. J'adore Tenerife et les gens souriants ici. Il y a du monde à la plage aujourd'hui. En général, le week-end ici, il y a toujours du monde à El Medano. Évidemment, c'est les vacances maintenant, alors je pense qu'ils ont bien fait de limiter un petit peu le nombre de personnes. Très mignon. Voilà une des plages où vous devez absolument venir ici à Tenerife. La plage d'El Medano, le village d'El Medano, ses restaurants, endroit très sympathique.